Lors du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, les leaders de la région ont discuté de la situation au Mozambique. Plusieurs personnes sont mortes pendant les manifestations qui ont suivi les élections contestées du 9 octobre dernier. Le sommet a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple du Mozambique pour les vies perdues lors des violences post-électorales. En ce qui concerne la sécurité en RDC, la communauté a réitéré son soutien au gouvernement congolais et décidé de prolonger le mandat de sa mission, la SAMI-RDC, créée en décembre 2023. La SADC a prolongé d'un an le mandat de sa mission en République démocratique du Congo, poursuivant ainsi la réponse régionale à la situation instable qui prévaut dans l'est de la RDC en matière de sécurité. Le président actuel de la communauté, le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, a salué l'engagement des États membres et le dévouement des troupes déployées. We remain grateful to member states. Nous restons reconnaissants aux États membres et saluons nos vaillantes forces qui protègent notre intégrité territoriale, notre indépendance, notre liberté, notre souveraineté et la sécurité collective de notre région. Au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu le 20 novembre, la communauté de développement de l'Afrique australe a renouvelé sa volonté d'œuvrer en faveur de la stabilisation politique et sécuritaire de la région.